nous souhaitons renforcer les effectifs rapidement et surtout avoir une priorité qui est le déploiement de la police municipale sur le terrain. On souhaite poursuivre ce déploiement et on souhaite également que la police municipale soit consacrée vraiment à des missions de sécurité, c'est-à-dire que la tranquillité publique, le fait de patrouiller, le fait d'être présent nous paraît une priorité dans les missions de la police municipale. Donc un effectif renforcé et une mission qui est vraiment clairement déterminée, se consacrer à la sécurité et surtout une priorité, c'est celle d'être sur le terrain. Oui, parce que c'est une exigence de l'évolution des mobilités. En rencontrant les habitants, naturellement, certains nous disent qu'il y a sur le trottoir des vélos et des trottinettes qui arrivent vite. Il y a des vélos, des cyclistes qui nous disent que sur les pistes cyclables, elles sont encombrées. Il y a des voitures qui empêchent le passage. Donc les mobilités évoluent, c'est bien normal, nous le souhaitons. Mais nous souhaitons aussi que ça se fasse dans des conditions de sécurité adaptées. Oui, nous étudierons la possibilité de mettre en place une brigade canine. C'est quelque chose auquel nous réfléchissons. Alors, c'est une collaboration qui peut se faire avec la police nationale. Il faut rappeler que dans le mandat qui s'achève, il y a déjà évidemment une collaboration très soutenue avec la police nationale. Et bien, cette collaboration, cette coordination, elle pourrait se traduire par la mise en place d'une brigade canine. La brigade canine, elle est intéressante parce que c'est d'abord dissuasif. Et puis, en effet, il peut y avoir des personnes à verbaliser qui elles-mêmes ont des chiens ou qui les laissent un petit peu faire n'importe quoi. Et bien là, ça pourrait être une utilité, effectivement, d'avoir une brigade canine. Pour l'instant, c'est quelque chose auquel que nous envisageons absolument. Parce que nous pensons vraiment que la question de la propreté, elle doit être distincte de la mission des policiers municipaux. Les policiers municipaux, pour nous, n'ont pas vocation à s'occuper des questions de propreté, sauf évidemment s'ils assistent à un comportement répréhensible à ce titre, ils pourront bien sûr verbaliser. Notre souhait, c'est de consacrer 40 agents à la propreté et exclusivement à la propreté. On souhaite en effet que cette brigade se consacre à cela, avec aussi l'aide d'un dispositif de vidéosurveillance, parce que les dépôts sauvages ne sont plus tolérables. Toutes les incivilités qui concernent le cadre de vie, nous souhaitons qu'ils soient pris en charge et qu'ils soient surveillés par cette brigade de 40 agents qui y seraient exclusivement consacrés. Là encore, on est dans une situation où il est nécessaire de s'adapter. Dans le cadre de la gestion d'une ville, de la rencontre avec les habitants dans le cadre des élections municipales, on a des problèmes qui nous sont exposés et en effet, de nombreuses personnes rencontrent des difficultés. Alors ça peut être des escroqueries, ça peut être de la malveillance, ça peut être des incivilités. La création d'une hotline qui permettrait de rapporter ces incivilités, d'avoir un soutien, une orientation, ça nous paraît être aujourd'hui utile à bien des personnes qui souvent se trouvent un peu désarmées, un peu déstabilisées par ce type d'infraction qui se multiplie bien sûr avec l'utilisation des réseaux sociaux et du numérique en général. Donc oui, c'est quelque chose que nous souhaitons mettre en place rapidement pour répondre à cette attente. Oui.